Bonjour, je m'appelle Margot Goujon, j'ai 25 ans, je suis diplômée d'un master commerce marketing à l'UBO et ça fait un an que je suis au Crédit Agricole en tant que conseillère clientèle. Je suis arrivée au Crédit Agricole en octobre, ça a été le début d'une nouvelle aventure professionnelle, le premier emploi en CDI. Ça a été une journée assez impressionnante pour ma première journée. C'était la journée d'intégration au siège. Nous avons rencontré les équipes RH et le pôle formation qui nous ont expliqué tout le déroulement et le fonctionnement de l'entreprise. C'est une journée qui m'a beaucoup marquée et je m'en souviens comme si c'était hier. Alors, je m'appelle Margot, j'ai 23 ans et je viens d'intégrer l'agence Laval Saint-Étienne mardi dernier. J'espère que ce sera une formation enrichissante et qu'on pourra accomplir toutes les missions sur le terrain et qu'on pourra évoluer rapidement à des postes supérieurs. Après notre journée d'intégration, nous avons été en immersion au sein du service multimédia. Ça a été le moment où on a pris les premiers appels pour répondre aux demandes des clients et je me souviens que ce premier appel a été très enrichissant pour ce début de formation. On a été en double écoute avec les monitrices pour bien apprendre et bien communiquer avec le client. C'est très très bien parce que même moi qui ne connaissais pas du tout le domaine bancaire, on a pu voir, on a appris déjà le logiciel, donc c'est pas mal. Puis en plus au téléphone, c'est vrai qu'on peut mettre un peu plus facilement le client en attente, donc on peut bien vraiment analyser sa fiche client et puis les différentes opérations qu'il peut faire et on peut vraiment lui répondre au mieux en ayant le suivi avec les monitrices. J'ai hâte d'aller en agence quand même pour vraiment mettre sur le terrain ce qu'on a appris, mais très satisfaite, ouais. L'immersion au sein de l'agence multimédia a été très bénéfique pour moi. J'ai pu acquérir de nombreuses compétences et j'ai pu m'approprier l'outil informatique du Crédit Agricole. Ça m'a également permis de prendre confiance en moi et de gagner en autonomie, ce qui a été très bénéfique pour mon arrivée en agence avec les clients face à face. C'est très bien, les rendez-vous clients ont commencé en accompagnement et en autonomie. Donc là, c'est vraiment du concret. On met vraiment ce qu'on a appris en formation sur le terrain et là, c'est vraiment bien. On découvre vraiment le métier à 100%. C'est pas facile au début, mais on s'y met vite et après, tout roule. Sur la formation, il y a beaucoup de choses à retenir. Après, ça se décante au fur et à mesure quand on fait les rendez-vous. Il y a toute la partie théorique des formations et la partie pratique en rendez-vous. Donc déjà, ça nous permet d'appréhender plus de choses, mais par contre c'est super, on est hyper bien accompagné, on est aidé en agence, on fait des rendez-vous en binôme pour justement appréhender le métier, etc. Donc, et dès qu'il y a une question, tout le monde est à l'écoute, tout le monde nous aide, donc vraiment c'est vraiment bien. Mon arrivée à l'agence marque également une nouvelle étape dans le parcours, puisqu'il faut s'intégrer à une nouvelle équipe et à un nouveau fonctionnement. J'ai eu la chance d'être accompagnée par ma marraine, Fanny, qui a pu répondre à l'ensemble de mes questions. Alors j'ai été pour Margot un peu l'oreille attentive pour l'aider, l'accompagner lors de son arrivée à l'agence. Mais aussi en cas de besoin, parce que quand on arrive dans une entreprise, on est un peu perdu parfois pour trouver les cheminements, pour retrouver un document, pour aussi appeler un service, etc. Donc j'ai essayé d'être là au moment où elle avait besoin. Donc toujours l'oreille active derrière Margot pour aussi repérer en cas de besoin si je la sentais pas un peu perdue ou ailleurs. Quand elle était en formation, j'essayais d'envoyer un message pour savoir si tout allait bien. Donc un peu les faits et le rôle de la marraine d'être l'oreille attentive. Fanny m'a beaucoup soutenue, notamment dans la formation de l'assurance, qui a été une période assez compliquée pour moi, puisqu'il fallait acquérir de nombreuses compétences et connaissances. C'est un moment où il faut rester engagé, il faut s'impliquer pour réussir. En revanche, c'est une vraie satisfaction personnelle lorsque nous sommes en rendez-vous client et lorsqu'on arrive à répondre à leurs questions et à leurs différents besoins. Une autre étape importante dans mon parcours pépinière a été la validation de ma période d'essai au bout des 6 mois. J'ai eu un entretien avec mon manager pour échanger sur les différentes connaissances acquises. Ça a été une réelle satisfaction personnelle au vu du chemin parcouru pendant ces mois de formation. On m'a ensuite fait confiance en me proposant de remplacer ma collègue qui est partie en congé maternité avec un poste de conseiller clientèle. J'ai donc pu mettre à profit l'ensemble des connaissances acquises tout au long de ma formation. Après mon remplacement, ça faisait tout juste un an que j'étais au sein du Crédit Agricole. On m'a proposé de gérer mon propre portefeuille en ayant un poste de conseiller. Quand je regarde le chemin parcouru depuis mon arrivée au Crédit Agricole, je suis très satisfaite. La preuve que l'on peut réussir sans avoir d'expérience dans le domaine bancaire. Si vous êtes
motivé, il faut se lancer, s'investir et croire en soi. Alors je vous dis à bientôt au Crédit Agricole.